Normalement, ça devrait fonctionner cette fois-ci. Voilà, ouais, j'ai rouvert le micro. Bonjour à toutes et toutes. Attendez, je suis pas sûr. On va voir. Avec un peu de chance. D'ailleurs, je sais même plus. Non, j'avais lancé le chat tout à l'heure. Bref. Pourquoi il fait cette tête? Pourquoi il fait cette tête, le chien? Oh mon dieu! Il y a une farce programmée dans le logo de chargement. Il a pas aimé que je passe d'une fenêtre à l'autre. J'ai perturbé le chien de Stardew Valley. Normalement, ça devrait le faire. Donc j'espère ne pas être enquiquiné parce que j'ai été rattrapé par la mise à jour des pilotes, vous savez, Nvidia Experience. Et du coup, ça m'a semé un... Oula, c'est pas... Oulala, c'est pas la perfection. Et ça m'a semé un chaos tout à l'heure. C'est pour ça que je démarre aussi tardivement. Mais c'est pas grave, j'avais pas volonté de me battre comme un fou furieux. Je sais plus du tout, mais alors plus du tout ce que je voulais faire dans Stardew Valley. Je sais plus du tout. Alors là. En tout cas, bonjour à toutes et toutes, pardon, j'ai pas fait les salutations formelles, j'espère que vous allez bien. Je m'occupe de la... De sa gamelle, il faut que je trouve le... Voilà, l'arrosoir qu'il a. Et je sais plus du tout ce que je m'étais dit que je ferais. Là, on va faire les champignons, moi ce sera plus à faire. Eh, hey, je crois que je m'étais fait casser la... Ouais, la figure dans les mines. J'avais perdu tous mes champignons. Et il me fallait 5000 de thunes au niveau de la guilde des aventuriers pour récupérer tout le matos. Ça fait mal au clélé, commandé. Comment j'allais gérer? La musique est extraordinaire. Ah oui, mais attends, est-ce que... Ouais, j'ai le maillet qui fait des dégâts. Je peux me barrer, je pense, à la grotte minage. Ah, j'avais l'autre loustic. Attends. Le gars, c'était un nain, mais je parlais pas son langage, c'est ça? C'est ça. Il faut que je trouve le moyen de traduire. Il doit y avoir un moyen d'aller dans la bibliothèque ou un truc comme ça. Bonjour, Arsenas. J'avais pris cher. Est-ce que je tente de m'y refrotter? À mes risques et périls. Thank you.
ça va. Écoute, je suis dans une forme dans la moyenne, sans plus. Bon, du coup, je démarre tardivement. J'ai culpabilisé, moi, par rapport à mes tâches ménagères. J'avais quand même pas mal de retard dans ce que je devais faire. Donc, du coup, comme je me disais, au lieu de faire du Final Fantasy, j'allais faire du Stardew Valley, comme j'avais annoncé hier. Voilà, je démarre seulement maintenant. J'y suis allé sans contrainte horaire. J'ai même presque failli prendre mon temps qu'à 11h, c'est vous dire. Mais je me suis dit, avec Stardew Valley, ça peut durer 2h30, ça m'a un peu décalé au niveau du déjeuner. Ah merde, putain, c'est un mec dangereux, lui. Il m'a jeté le sort du mauvais oeil. Je t'invite à monsieur. La vache. Bonjour Torota. Et du coup, bah voilà. Oh. Mode baba cool, ça va, merci. J'espère que tu vas bien. Arsenas, Torota aussi. Tiens d'ailleurs, Torota, tant que t'es là. Pareil, je vais bousculer mes habitudes du dimanche en diffuseur. Je vais moins diffuser aujourd'hui. Dans le sens que je vais réserver mon début d'après-midi tout à l'heure. 14h, 15h, je pense. Je reprendrai pas mon antenne avant 15h tout à l'heure. Et je vais en fait appeler la famille et dépanner à distance des membres de famille en informatique. Ce qui fait que je redémarrerai très probablement sur le Lego l'après-midi et je ferai que du Lego l'après-midi. Je ferai rien d'autre, mais tout doucement on discutera. On va faire comme ça. Donc Torota, dis-toi que voilà, je serai réceptif à te avoir plaisir de te faire la causette à partir de 15h, pas avant. Vraiment un dimanche baba cool. Attendez, je vous le dis. C'est aussi ça va. Je trie mes jetons de jeux de rôle et jeux de figurines. J'en ai un paquet. C'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est beau. Voilà, vache, la santé, elle a morflé, Samantha. Alors que je voulais pas faire ça, mais manger un champignon commun. Ouais, la violence. Ah oui, mais Z, je vais pas aller loin avec ça. Ouais, je peux prendre le risque de me barrer. Ce qui peut s'avérer payant. Ou pas. Ouais, c'est dommage, on voit que j'ai de l'or à porter alors. Si j'arrive à pas tâter. Non, j'arrive pas à pas tâter sans me faire toucher. Ils sont trop durs. Vache. Ah ouais, ils sont durs. Les ennemis, les salopards. Là, j'ai eu de l'or. Oh, Géa d'Omni, d'accord. Oh là. Putain, la vache. Ah oui, ils font pas du bien les ennemis. Ah bah heureusement que j'ai une bonne arme. Mazette.
D'ailleurs, je suis en train de penser pour le Lego, il faudrait que j'envoie un message privé à Poupon s'il vient pas faire un coucou ce matin sur le chat. Parce qu'il était. Il m'a fait comprendre qu'il était client de me voir jouer peinard au Lego. Ah merde! En plus, il y a un événement spécial en ville. Wouah! C'est pas comme si j'avais besoin de récupérer de la thune pour. Pour ma mort précédente. Oh la vache. Dur. Par contre, là, j'ai l'essence du vide en 4 exemplaires. On a dit, il y a quelque chose à faire avec, ça rapporte. Ça rapporte. Cette musique orientale. Ouais, je vais arrêter. Ouais, si je suis épuisé, je vais pas. Ouais, je veux pas tenter la mort, c'est pas la peine. Attends, je donne un peu d'énergie à Samantha parce qu'il faudrait pas qu'elle finisse en PLS. Alors, je vais ranger mes trucs et je vais faire le marché nocturne. Encore que. Oh, je dis ça. Pour ce que j'ai sur moi. Il se passe où le marché nocturne? Est-ce que j'ai quelque chose d'indiqué sur la carte? Peut-être sur la place du village ou... Ouais, peut-être sur la plage. Attends, là, sur les hauteurs du village, il n'y a rien. Merde, je me souvenais plus que je pouvais même aller là. C'est pas le bon endroit. Je n'ai pas le bon endroit. Qu'est-ce qu'elle fait planter là? Elle est pas de la pauvre Samantha. Non, c'est pas la place du village, donc ça va être la plage. Tiens, il y a un loustique qui est là. Non, je vais rien lui offrir. Merci de ta générosité. Dans la cagnotte, la chaîne file à ton unique. Grâce à toi, le serveur. Minecraft sera financé ainsi que plein d'autres choses. Joyeusement partagé. Bonjour, Erika. Mais c'est gentil. Merci de ta générosité. Eh ben. Ah, tu veux chapeau de cow-boy? Attends, je vais les chercher. Attends, ouais, je l'ai. J'ai ma boîte à carton. Bah oui, je te dois bien ça, Erika, bouge pas. Eh ben, avec ça, j'espère que tu vas bien. Fiestre, merci, sacré. On va dire entrer en scène, Tony Truant, tu m'as surpris. Yo, c'est la peau du cowboy. Ouais, ouais. Il est le cowboy. Oh là, mon dieu. Tu fais tomber un autre chapeau de la boîte. Le chapeau du cowboy. C'est vrai qu'avec le thème, je t'accorde du Stardew Valley, ça va bien. Amaya. Hey, on sent qu'il fait son poids. Hein. Oh vache. Ah bien. Wally, voilà. Tic. Te voilà exaucé, Erika. Eh bien. Oh, qu'est-ce qu'il fait là? Attends, je vais pas lui donner un caillou, il va mal le prendre. Alors, ces gens sont des voyageurs comme moi, je ressens un lien entre nous, mais je peux aussi bien rester ici, rien que pour regarder et écouter. Ah ouais. Ouais, non, il dit la même réplique en boucle. C'est sur les quais. Ah oui, je veux la lumière. C'est original, la lumière sur le tonneau flottant. C'est pas mal. Pourquoi c'est bloqué? Je vois pas l'élément. Ouais, je sais pas, c'est un truc de ponton qui m'a bloqué. Oula, elle est en larmes, Jazz. J'aimerais bien être en âge de voir le spectacle des sirènes. Ah, bah, ça viendra. Shane qui dit, je ne vais pas au salon ce soir pour passer un temps avec Jazz. Ah oui. Oula, il y a des personnages étranges. Alors Abby, c'est tellement mystérieux, j'adore. Ça lui va bien. Emily qui dit, je pense que ce bateau est mon préféré, il est tellement unique. Ah, il y a des bateaux à visiter à quai. C'est quoi ça? Silhouette mystérieuse, je peux vous renvoyer chez vous pour 250 pièces d'or. Putain, mais il y a tout qui se monnaie ici, c'est horrible. Penny, tu sens cette odeur, l'air est si épicé par ici. Ah, le forgeron.
Kevin qui dit j'ai rendez-vous chez le médecin demain, peut-être que le spectacle de la sirène me calmera les nerfs. Mais que se passera-t-il si elle pense que je suis en train de les reluquer? Oh mon dieu. Oh, il a des cas de conscience et des spéciales, le forgeron. Je reste pas longtemps, bonne journée. Ok, merci Ericat, merci tout plein. Bisous, bonne journée à toi. Elle est bien ton émoticône animé de chat qui fait de la musique. Trop mignon. Alors Harvey, le médecin justement. L'hiver peut être un peu morose, mais des événements comme celui-ci le rendent un peu plus radieux. Putain, si je revendais mon quartz raffiné à 500 à chaque fois. Poisson globe, tiens, tiens. Oh. Pudding ou prune, dessert traditionnel des fêtes. Ah! Ça sous-entend que si je fais. Si je plante un prunier dans mon verger, si j'arrive à prendre la recette pudding ou prune, ça vaut le coup. Parce que la vache! 175 d'énergie, 70 de santé, c'est juste énorme. Bonjour, Socra. Fleur tropicale d'été. En plein hiver? Quel drôle de. Oh, du lait de chèvre. Ah, pas mal. Soupe de palourde. Un moyen idéal pour réchauffer après une nuit en froid en mer. Oh la vache! 225 en énergie. Table puzzle peut servir de décoration. C'est un style. Alors là, je pense pas refaire ma déco cette année. Mais c'est pas mal. Alors, un Lupini original, pas mal, dit Léa. Ah, c'est un artiste, le mec. Célèbre peintre Lupini. Je vends cette toile pour 1200. Qu'en dis-tu? Non. Elle m'inspire rien. Oula. Waouh, mais c'est. Oh la vache, c'est plein de vendeurs. Plein de vendeurs. Sculpture de grenouille. Une pierre d'ombale. Waouh. Des graines de panais. Eh, hey, pour le printemps prochain, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, je sais pas si les tarifs sont les bons. J'ai l'impression de voir les tarifs de pierre dans son échoppe sur la place centrale. J'ai un défaut de manette, là. Quoi? Cheminons en iridium. Ils sont fous. C'est quoi là? Ah d'accord, je traverse. Oula! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais, et je dois y faire quelque chose? Ah bah c'est le spectacle des sirènes. Ah c'est enchanteur. C'est beau. Ah, oh, c'est trop mignon. Ah, oh, c'est génial. Ah, oh, c'est beau. C'était une féerie. Et puis c'était offert là, et ça. Ah, c'est trop beau. Alors ça, vous voyez, je le ferai volontiers chaque année, dans le, en espérant que ça revienne chaque année, dans le cycle de Stardew Valley. Oula, lui, il vend des friandises, c'est le forain. Ah non, pas que ça. Oh, bannière de nuages. Ça peut être pas mal. Ah, il va falloir que je rentre, que j'améliore mon... Bien le bonjour, dit le marchand, tu veux une tasse de café? Ah, je veux bien, merci, c'est gentil. Ah, merci, messieurs.
où j'avais reçu du coffee. Et bah tu sais quoi, je le boirai froid demain matin. C'est fermé ouvert de 17 à 23 heures. Ok, merde. J'ai loupé un truc. Ah bon, bah j'ai fait le tour. Attends, j'ai tout... merde, il se fait tard. Ouais, tout le monde se barre. Ouais, j'ai peut-être loupé des trucs. C'est bizarre, je crois que j'ai loupé le maire, entre autres. Le maire, il est toujours là quand il y a un événement. J'ai dû louper un quai. Il y avait peut-être l'extension sur le côté droit de la... des lieux, là, au niveau de la plage. Mais, j'ai adoré le coup de la... des chants des sirènes, là, c'était superbe. Ah, c'était magnifique. Resident Evil, je pense pas que j'en ferai aujourd'hui. Je vais pas... désolé, hein, mais je vais pas allumer ma PlayStation, je pense, de la journée. Je reprendrai que le week-end prochain, Resident Evil. J'essaye de faire tourner mes jeux, en fait, par rapport à tout ce que je fais en même temps. Ah bah tiens, tu tombes bien, Poupon, bonjour. Justement, je voulais te dire que je vais très probablement faire que du Lego cet après-midi. Quoi, je passe comme un couvent, t'as un paix sur une toile cirée. oh la vache, il est 1h30 du matin. Ah, elle va être défoncée. Oh là là, la pauvre. Je vais pas récupérer toute mon énergie. Ouais, voilà, j'ai pas toute mon énergie. Et là, je prends le café du matin et vous allez voir le dopage. Attention, violence. Pas du tout. Plus 3 en énergie. Ah, elle marche plus vite. C'est rigolo. Ah. Non, pas de la bière le matin, là. C'est horrible, ça fait alcoolo. Oui, donc je disais, excuse-moi, Poupon. Lego, cet après-midi, en gros... je dis bien, en gros, je vais en faire de 15h à 20h. Ouais. Comme ça, tu passes quand tu le souhaites. Je sais que tu t'es demandeur. De me voir à me détendre à faire du Lego. Attendez, je fais n'importe quoi. Attends, mais pourquoi j'avais pas vu, j'ai un truc de téléportation dans mon inventaire. C'est quoi ce délire? J'ai pas tout suivi là dans Stardew Valley de ce qui s'est passé. Ah ouais, ça me téléporte directement à la maison. Ouais, bah c'est pratique. Comment j'ai rangé mes trucs, moi? Je crois que je rangeais les... Non, c'est pas ça. Oui, c'est là que je mets les trucs déterrés du sol. J'avais pas un butin avec les trucs de monstres. Si, hein, c'est là. Ah, j'ai merdé tout ce qui était herbe. Voilà, ouais, bien, essence du vide, j'en ai un paquet. Ouais, c'était comme ça. C'était comme ça. Donc là, je lui dis que je vais refaire du... Merde. Non! Mais non! Oh là là, je me fais... Merci, on va y arriver. Oui, le chien, j'arrive, le chien. Tais-toi, le chien. Me mets pas la pression, le chien. Qu'est-ce que j'ai fait de mon arrosoir? Panic on board. Attends. Je l'ai rangé où, mon arrosoir, la journée précédente? Oh merde. J'ai paumé mon arrosoir. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah oui, il y a les notes secrètes. Je me disais, mais c'est quoi tous ces documents? J'avais zappé, il y avait l'histoire des notes secrètes. Bah merde alors. Bon attends, je prends les murs parce qu'il faut faire de la gelée. Ah dommage, j'ai déjà perdu le dopage sprinté avec le café. Ah mais donc il fait pas effet longtemps le café je trouve. Oui, chapeau de cowboy, ouais. C'est Erika qui veut que je le porte. Bon comme je disais, passe au bon Zoubi. Oui Zoubi, à plus tard, bon dimanche. Poupon, merci d'avoir été là.
Merde, où est-ce que j'ai rangé mon arrosoir? Non mais comment perdre bêtement du temps? D'accord, j'ai rien mis là. J'ai pas mis mon arrosoir dans les coffres de les salles là aussi. Bah non, j'ai rien. Bah je perds la boule. C'est pas incroyable. Il est où l'arrosoir? Hiver? Non, pas dans le coffre d'hiver. Ah, le v'là. Oh là 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 là, malheur à moi. Il faut que je refasse du houblon là, que je refasse de la bière. D'ailleurs, je me demande, au lieu d'aller à la mine, je me demande si je vais pas entretenir le... Comme j'ai pas beaucoup d'énergie, je vais peut-être rester à entretenir mon terrain. C'est peut-être plus intelligent. Ce qui me permettrait d'ailleurs de... Attendez. Ah oui, on est en hiver, il faudrait que j'arrose les machins là, visiblement. Attends, c'est quoi le délire? Faut que j'arrose les graines hivernales, ok. Si tu veux, je suis plus assez prêt. Ah merde, j'ai loupé la case. Non, y a rien dedans. Ouais, non, y a rien dedans. Ouais, je laisse comme ça. J'avais dit, attendez, j'avais établi une stratégie du genre faire un max de tonneaux à houblon ou un truc. Attendez, comment je le fabrique? Il faut que je fabrique le truc. Ah merde, c'est vrai, il faut de la résine de chêne. C'est la résine de chêne surtout qui me... Ou j'essaye de faire beaucoup de bocaux aussi. Bois, pierre, charbon. Vache. Oh là là, puis je déterre des âneries. Si je puis dire. Là, mon terrain est propre, plutôt. Je pourrais essayer d'en faire quelque chose. Je sais plus, je peux les bousiller ça ou pas? Oui, je peux les bousiller. À me faire du bois dur. Tac. Ouais, j'ai le météore que je peux pas péter, on est d'accord? Ouais. Il faut la pioche de l'absolu pour bousiller le truc. Ça viendra plus tard. Ouais, mais j'ai combien de vers qui se battent en duel dans mon terrain, moi? Ça fait toujours du bon bonus. Ouais, vu là où ça tombe, c'est un peu débile. Un tout petit peu débilus. Coucou. Bonjour, Tunsen. Ouais, non, mais là, je peux... Ouais, il y a la pousse de je sais plus quoi.
Ça me fait un deuxième art fruitier. Le chien, il a eu son nom. Ouais, il a eu son nom. Le petit Zeus qui est déchaîné là. Alors, si je gère bien mon coup. J'ai donné mes réponses tout à l'heure. Ah ouais, du tableau mystère, ouais, c'est bien. Bien, bien joué à toi. Ouais, on regardera ce soir à 20h. Il n'est pas exclu, bien qu'on soit actuellement dans nouvellement dans le répertoire de la Nintendo 64. Il n'y a pas exclu à ce que tu sois en fait le seul à avoir les 4 bonnes réponses, telles que je te connais. Tu performes bien dans le jeu de la devinette. C'est Bao. Alors, je fais n'importe quoi. Merde, j'ai rangé un truc, je sais pas si c'était le bon truc. Ça, c'est les machins de l'hiver. Non, pas le champignon rouge. Ouais, visiblement, j'ai rangé un truc là où il fallait bien le ranger, donc tant mieux. Ça, c'est les bizarreries extraites du sol. Le coffre blanc, le coffre de la saison hivernale. Donc moi, je vais mettre ça là. Et du coup... Alors, fabrication... Alors, les tonneaux, je peux pas, parce que j'ai pas de résine de chêne à tour de bras. Bois, pierre, charbon pour les bocaux. Bois, pierre, charbon pour les bocaux. Je n'ai pas tant que ça, du charbon. Ah, il faut que je use le minerai quand même. Non merde, c'était évidemment dans le coffre que j'ai pas. Alors attends, si je reprends un max de pierre. Si je reprends un max de je sais plus quoi. Charbon, j'en ai pas plus. C'est bois. Attends, bois, j'en ai pas plus que ça. Non. Attends, j'ai dû déposer du rap quelque part, mais je m'en souviens pas. Qu'est-ce que j'ai fait de tout mon bois? J'en avais à plus savoir quoi en faire. J'ai tout balancé au centre communautaire ou c'est moi? Oh merde, je me souviens plus de mes épisodes précédents. Non, sérieux? J'ai plus assez de bois? Ouais, je pourrais mettre des appâts pour les... Je sais que j'ai les caches au bord, panier à crabe au bord de l'étang là. Mais non, j'ai pas plus de bois que ça. Merde, je me souviens pas de ce que j'en ai fait. Ah ouais, si c'est affilé au centre communautaire, c'est quand même... J'ai mis des paniers à crabes ailleurs que dans les temps. Ah oui, ils sont là. Bon, je préfère ça. J'ai bien gardé souvenir qu'il y en avait plusieurs. Bon, bah, j'ai déjà perdu certains repères. Dur. On va y arriver. Je pourrais... Ouais, je vais aller au marché nocturne direct. Je vais pas m'épuiser à quoi que ce soit. Oui, tu es beau comme tout, le chien. Tu es beau comme tout. Donc, ouais, j'ai fait les champignons. Je vais aller au marché nocturne, direct. Allez, hop, adjugé vendu. Je vais profiter de l'événement qui est sur 3 jours, je crois me souvenir. D'ailleurs, le dernier jour, c'est l'anniversaire du sorcier.
J'avais mémorisé ça. Ce qui veut dire qu'il faudra que je lui offre une essence du vide, Yvette. Mais alors, dans une joie incommensurable, il va me faire ses yeux de fou. Et je pense que j'ai tout à gagner à faire copain-copain avec le magicien, là, le sorcier du village. D'ailleurs, il y avait eu un événement dans le patelin. Il avait dit la diseuse de Bonne Aventure est une bonne copine. Diseuse de Bonne Aventure qui m'avait prévenu un navire joyeux avec Abigail. C'était troublant. Attendez, je vais aller tout de suite dans l'extension de plage. Il doit y avoir un truc que j'ai loupé là-bas, non? Déjà, la plage, je la trouve vachement propre. Merde, vous allez voir que ma théorie est fausse et qu'il n'y a rien sur ce quai. Voilà, il n'y a rien sur ce quai. Merde! Perdu! J'ai perdu du temps pour rien. Si j'en ai l'occasion, par rapport au temps qui... D'ailleurs, ça va être le seul événement où le temps déroule, défile. Parce que normalement, c'est figé, je crois. Brrr, je suis pas assez couverte. Oui, bah, ça m'étonne pas de toi, Harley. Caroline qui dit, je ferai toutes mes courses pour le fait de ce soir, donc pas de me prévenir si tu vois Pierre arriver. Hein? Ah, et oui, non, il était là, monsieur le maire. Vous savez, j'ai acheté certains de mes objets favoris dans ce marché. Alors là, par contre, c'est con, le portrait, il me plaît. Ah, le portrait, il est beau. C'est un beau visage d'une jeune femme. Qu'est-ce que je fais? Bon, j'ai mes bières et mes confitures qui vont me rapporter de la thune dans la nuit, mais... Eh, c'est un bon portrait. Merde, je l'achète, je craque. Portrait d'une sirène, en plus. Ah, oh, c'est beau. Vous avez reçu le portrait d'une sirène. Ça va faire du plus bel effet chez moi. Dans ma déco. Oh, ça change tous les soirs. Armure, sculpture de perroquet. Ah, il va faire les graines des trois saisons. Donc demain, il y a l'automne. Ah, la vache. Ah, c'est bon à savoir, ça. Le festival de hivernal sur les quais, tu peux rattraper d'avance toutes les graines de toutes les saisons. Ou presque. Ah, c'est pas con. Mais attendez, du coup, je comprends pas. Ah, il faut que j'aille dans le bateau qui était fermé quand je me suis pointé trop tard. Attends, il y a lui déjà, il y a l'autre qui va m'offrir du café, je crois. Enfin, si ça marche tous les soirs. Ouais, il y a des plantes de déco, mais je suis pas pété de thunes, c'est dommage. Oui, c'est ça, je veux bien une tasse de café offerte par la maison. Merci, monsieur le marchand. Merci, monsieur le marchand, c'est apprécié. Ah, qu'est-ce qu'il dit, le beau gosse? J'ai pas grand-chose à te raconter, mais je te connais pas encore très bien. Ouais, ouais, c'est vrai qu'on n'a pas copiné, lui et moi. Je lui accorde ce... C'est quoi? J'ai le repère secret du docteur Robotnik. Oh, il y a des coraux dans les angles. Oh, il y a un vieux loup de mer. Captain. Ah, il y a un capitaine dans Stardew Valley. Oh oui, voulez-vous faire un tour de pêche en eau profonde? Cela vous coûtera 1000 PO. J'ai pas de canne à pêche. Merde, il fallait dire avant qu'il y avait de la canne à pêche. J'ai pas pris ma canne à pêche. C'est ballot. Non, du coup, je décline. J'ai loupé quelque chose... Tiens, elle est plus là. Elle est où, Abigail? Elle était là hier. Tiens. Pourquoi elle a bougé, Abigail? On se refait le spectacle? Il était beau. Je pense que c'est le même, hein. Mais il était trop beau. J'en profite pour boire un coup.
Là, c'est fait, Eric. C'est vraiment original. J'aime beaucoup. C'est tellement inattendu. C'est... Alors, ce qui m'intrigue, c'est Abigail. Attends, je lui ai pas parlé à elle. Marnie. Oh, de la soie pourpre fine. On trouve pas ça chez Joja. Ouais. Tu m'étonnes. Bonjour, Nayane. Ah oui, c'est pas les mêmes qui sont présents. Ah, Vincent, quel air moyen, je veux faire du bateau. Attends, c'est bizarre. Il y en a qui ont bougé de place. Enfin, c'est bizarre. Je recommande fortement l'excursion sous-marine. Il y a des créatures très fascinantes qui vivent dans les fonds marins. Ouais, mais trop tard. De toute façon, j'ai pas pris ma canne à pêche. Wow, la technologie de cette chose est incroyable. Je suis prêt à te croire. Elle est pas planquée quelque part, Abigail. Ou alors elle est restée chez elle. Elle est venue la première nuit, puis après. Elle s'est barrée. Bon, bah. Elle m'étonne, elle était à fond dans le truc magique là. Pom, 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 pom. Ouais, j'ai le dopage du matin pour le lendemain, quel coffee. C'est beau. Alors attendez. C'est beau, c'est... Oh! J'ai trouvé un bouquin de bibliothèque. Non, il se fait déjà trop tard. D'ailleurs, je suis agréablement surpris de ne pas m'être fait agresser dans la ferme. Parce que n'oublie pas que de nuit, je peux avoir des... Hey, j'ai oublié de regarder la télé. Faut que je regarde les émissions de cuisine, moi. Ah bah, y a pas. Pff. Ok. Alors, mes gains de vente de produits raffinés, là, d'artisanat. Ouais, 1650, ouais, bah, ça fait le prix de la toile. Ça rentabilise. Alors Samantha, désolé de te déranger à nouveau, mais j'ai un nouveau service à te demander. J'ai un nouveau marteau et je veux l'essayer sur une variété de métaux différents. Ah bon? Pourrais-tu forger un lingot de fer et me l'apporter? Merci. Ah. Le forgeron veut que je lui apporte un lingot de fer? Ça peut s'arranger facilement puisque c'est ce que je suis en train de fabriquer. Alors, je suis surpris de sa requête au forgeron. Mais ouais. Oui alors. Oh non, je récupère des merdes au niveau des paniers à crabes. Je vais snobber le panier à crabes. Si c'est pour récolter des... Attends, les deux autres m'ont fait quoi? Oh, ça c'est bon ça. Du sirop d'érable, c'est délicieux. Je dis ouais. Oh! Un escargot et un bigorneau. Sérieux? Ah mon dieu! Je ne sais plus ce que je récolte. Waouh, encore si considérable. J'ai zappé la grotte aux champignons, je le crains. Je le crains que je me maille les fesses. J'ai encore des vers qui se battent en duel dans la neige. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Après, ouais, ça me fait des trucs à ranger. J'avais... Mais ça, j'avais pas dit... Oui, si, j'avais dit que c'était des produits de la mer, donc voilà. La bonne blague.
sirop d'érable. Je sais même pas. Attendez, je vais regrouper des trucs parce que j'ai encore un bazar plus ou moins organisé. Ah oui, là j'ai le schmilblick de la terre, là. Comme d'hab. Ah non, c'est pas là que je range les champignons. Bon, le lingot de fer, je le garde sur moi puisque je vais aller le donner au forgeron. C'est où que je range mon... Ah. Là, j'ai des champignons. Je sais pas pourquoi j'ai pas de sirop d'érable, mais je peux en mettre là. Ou alors, je me souviens plus, mais une recette que je fais urgemment et puis... J'assemble. Un nouvel objet. Attendez, j'ai pas mal de... Ah non, j'ai pas beaucoup de blanc, dommage. Ce que j'allais dire, j'aurais pu me faire une... pas mal de biscuits, là. Avec les trois graines mélangées, souvenez-vous, mais non. Manque de bol, non. Oui, tiens, pour aller plus vite, je vais boire le café, là. Je veux bien le dopage vitesse. Voilà, au moins je me maille les fesses pour aller voir le forgeron, je vais gagner du temps. Alors, ça peut paraître débile, mais pour lutter, pour faire la course contre le temps, stratégiquement, c'est plutôt bien joué d'y avoir pensé maintenant. Là, je fais les poubelles tellement vite que... je fais les poubelles tellement vite que même les déchets me poursuivent. Dans la violence de comment je l'ai arraché du conteneur. C'est dire. J'adore. J'aime beaucoup le principe. Ah non, mais je pars pleine balle là. Plus rien ne peut arrêter Samantha. Alors, lui, il veut son lingot. Eh, c'est le lingot de fer que je t'ai demandé... Que j'ai demandé et eux. Non, et... Oula. Bref. Elle a l'air solide, parfait. Pourquoi ils ont mis au féminin, là? Ils me font me faire... Attends. C'est moi qui perds la boule et qui me souviens plus de règles de français, ou... Comment ça, elle, le sujet elle, ça correspond à quoi? Le lingot de fer, c'est masculin. Ou alors j'ai zappé une réplique, j'ai appuyé deux fois sur le bouton. Je sais pas. Merci Samantha, je te suis très reconnaissant. Bon bah tant mieux, mais... J'ai pas compris, là, au niveau de la formulation. J'ai... Ah la bibliothèque avec le gosse. Ce n'est pas très amusant, oui, tu m'étonnes. Ah merde, je lui ai donné du bois. Je suis désolé, mon pauvre. C'est pas ça que je voulais faire, gamin. Je voulais lui dire bonjour, j'ai merdé. Tu m'étonnes que c'est pas très amusant, pauvre gosse. Il est où le truc pour le nain? Je veux traduire le nain, moi. Guide de mariage pour les fermiers. Avant de demander à quelqu'un de vous épouser, vous devez d'abord fréquenter cette personne pendant quelques temps. Demandez à quelqu'un de sortir avec vous avec un bouquet de chez Pierre. Un bouquet de fleurs, trop mignon. Lorsque vous êtes prêt à poser la question, offrez un pendentif de sirène. Tout le monde connaît la signification de ce cadeau. Selon la rumeur, lors des jours d'orage, le fantôme d'un vieux marin apparaît à Stardew Valley avec ce pendentif. Lors des jours d'orage, le fantôme d'un vieux marin apparaît à Stardew Valley avec ce pendentif. Après la cérémonie de mariage, votre partenaire emménagera avec vous. N'oubliez pas de bien traiter votre conjoint ou conjointe. Ils aiment les cadeaux même après le mariage. Entre parenthèses, payé par Pierre. C'est quoi ce délire? Mais c'est une sec, je vous le dis, ce patelin. Ils font des trucs, c'est dingue. Résumé du livre de Yoba. Alors Yoba, c'est la divinité priée, je crois. Avant le début des temps, il n'y avait qu'une lumière dorée infinie. La lumière se donnait le nom de Yoba. Yoba voulait plus. Yoba fit tournoyer la lumière dorée dans un vortex. Yoba tourbillonna et tourbillonna jusqu'à ce qu'un trou se forme dans l'œil du vortex. De ce trou jaillit une graine. Yoba atténua et la lumière devint de la terre. Yoba planta la graine dans le sol. La graine poussa et soudain une vigne s'éleva vers le ciel, comme pour le sonder en se tortillant, projetant une ombre difforme dans le vide doré. Après 11 jours, la vigne donna des fruits. Yoba, dans sa grande sagesse, enleva l'épaisse écorce du fruit et vit que le monde était à l'intérieur. Et c'est ainsi que le monde est apparu.
Oula, la mythologie Stardew valéienne est redoutable. Ouais, puis là on a une description de... Ah, attendez, les traités nains, est-ce que je peux les lire du coup? Non, parce que j'ai pas le... Ils sont où les... Il y a les trois rubans... Les voilà, ils sont là. Parchemin des nains 3. Un rouleau de parchemin jaune recouvert d'écriture de langage des nains. Il est scellé par une corde bleue. Le 2 en vert. Et le premier en rouge. Et comment je fais pour traduire le nain? Il faut que j'aille à l'école ou quoi? Faut pas que j'oublie. Attendez. Ça doit être l'anniversaire du sorcier. Je pense qu'il n'y a rien à me dire, le mec du Gunter. Là. Ouais. Et puis, il est bizarre, Gunter. Il vit pas au village. Il a pas de baraque, Gunter, ici. Salut, ma grande. Salut, si jamais tu t'ennuies un jour, tu peux venir passer dans ma chambre. Ok. Effectivement, je fricote avec Abigail. Robin, fragment du passé. Quoi? Ah, des ossements. Oh, j'en ai une vingtaine, passant. Alors, quoi? J'arrive même pas à lire, il y a son visage sur le truc. J'arrive pas à lire. Deux ressources de Robin. Promotion au musée, 1000 morceaux de pierre en une semaine, je vous donne une récompense. Bah, il faut miner, quoi. C'est ça l'intérêt de la quête. Parce que récolter 1000 pierres en une semaine, vas-y, toi. Faut jouer de la pioche à tour de bras dans les mines. Oh, inspection des poubelles. Je peux pas m'empêcher d'avoir une pensée pour Olive qui tue, qu'on embrasse. Parce que le coup de fouiller dans les poubelles, j'avais été choqué. Ça avait été mon premier épisode, je crois, sur l'antenne de Stardew Valley, où elle m'enseignait, en fait. Elle me faisait le tuto du jeu. Elle avait été surprise par les villageois en train de mettre son pif dans les poubelles, comme ça m'est déjà arrivé d'ailleurs depuis. Oh, oh, la récolte se fait tout en haut. Oh, mais oui! Mais tout est en haut du village. C'est fou, ça. Alors, je vais prendre de l'essence du vide. Je reste persuadé qu'il y a dans la semaine. Et sans déconner, je crois que c'est aujourd'hui. Il doit y avoir l'anniversaire du. Attendez, j'ai un recycleur là. Ah, mais oui, c'est ça. J'ai un truc de poubelle. Ça sort sick, ça, ouais. Ça va me faire quelque chose de bien. L'essence du vide. Il va être à la fête, le sorcier, quand je lui ai donné son essence du vide. Enfin, si je la retrouve. Merde, c'est le coffre noir en haut. Ouais, juste un. Il va être content comme tout. Ouais, j'ai tout fait visiblement. Du coup, j'ai un moment de flottement parce que... Attends, j'ai fait le forgeron, j'ai plus vraiment à faire dans la ferme. C'est trop tard pour faire la mine, vu l'heure. Il va y avoir la troisième nuit sur les quais. Il faut peut-être que j'aille voir directement le forgeron. Le sorcier dans sa casbah, non? Je vais tenter, hein. Je suis plus sûr d'avoir le... Mais je crois que c'est aujourd'hui son anniv au sorcier. J'aurais dû vérifier un coup d'œil dans le calendrier de Pierce devant son échoppe, là. Mais tant pis, je prends le risque. De toute façon, il est content qu'on lui apporte ce genre de truc. Et je crois qu'on peut faire deux dons par semaine au perso. Merde, il est là. Oh là là. Son chemin n'est pas forcément évident pour rejoindre. Alors... Naïe anniversaire. Ah, ma mémoire m'avait pas trahi et il m'a fait un cœur d'amour là, merveilleux. Ah, c'est mon anniversaire aujourd'hui, on dirait bien que oui, merci, c'est gentil. Alors, il faut des années d'études pour comprendre la langue des élémentaires. Non, c'est moi, c'est la langue des nains que j'aimerais connaître.
Pour parler leur langue, il faut une vie entière d'efforts acharnés. Maintenant, si tu veux bien m'excuser... Ah, oh, il est terrible, hein. Il est très solitaire, ce garçon. Bref, j'ai bien mémorisé mon truc. Est-ce que ça vaut le coup que j'aille là, moi? Remarque, je pourrais couper les autres bois. Rien ne m'interdit de couper les bois dans la forêt. Enfin, les arbres. Tant qu'à faire. Puis tant qu'elle a de l'énergie à revendre, Samantha. Ça me fera du bois bonus, ça entretient les lieux. Ouais, c'est pas mal comme activité. Déforestation, Stardew Valley. Ah, je vois qu'il y a des vers qui se battent en duel en haut. En scrutant la cime des arbres. Là, voilà. Ah oui, c'est un igman d'hiver. Oh! Alors, c'est vrai que l'événement pomme de pin dans la tronche me rappelle qu'il serait peut-être bon que je replante effectivement un peu. Histoire que la forêt peut repousser sur les bords du... Déjà? Ah, je crois que c'était 19h le machin nocturne. Bon, bah on va y aller direct. On va pas chercher à... Il y a des bricoles à récolter. Il y a encore les vers qui se battent en duel. Oh, de l'argile, c'est bon ça. Ouais, c'est par là, je crois. Retourner sur la plage. Pa-pa-la, pa-la-pa-la. Oula, il y en a du monde. Ça bouge dans le village, bonjour. Bonjour la compagnie. Ah, je cours plus vite que vous et j'ai pas bu de café. Oh, les aînés, les vieux, quand je parle mal. Mais non, je les aime bien, les... Je sais pas pourquoi il est grincheux, là. J'aimerais bien copiner avec Pierre, je crois, son prénom. Pourquoi il s'y aigrit? C'est l'une des nouvelles traditions de Pelicanville, nous l'avons adopté... Georges, pardon. Pas Pierre. Adopté, n'est-ce pas, Georges? Je suis ici pour le café gratuit. En même temps, je te donnerai pas tort. Et merde, j'ai oublié la pêche en profondeur. Tant pis, ce sera pas cette année. J'ai zappé. Johnny qui dit ça va être tellement excitant de parcourir le monde comme eux. Super. Bonjour, Christella. Oui, merci, bon dimanche à toi aussi. Oh, le beau gosse. Le blond, là. Je déteste travailler au marché Joja, mais comment faire autrement pour gagner de l'argent dans ce village? Attends, si j'embarque Sam à devenir fermier, il pourrait gagner sa croûte en travaillant dans les champs. Tu as vu le spectacle des sirènes? C'est mon préféré, dit Alex. Tu m'étonnes, c'est trop beau. C'est trop beau. Alors, qu'est-ce qu'il vend, lui? Toujours les mêmes trucs, ouais, de déco, donc... on va voir la toile de maître de ce soir. Ah oui, c'est vrai qu'il peut nous renvoyer chez nous, lui. Lui, c'est le super marchand arroseur à 400. Oh la vache. Ah, ils vont les... Ah! Oh! De l'huile d'ail. Buvez ceci et des monstres les plus faibles vous éviteront. Ouais, bof. Rose Ferry. Une vieille légende populaire raconte que la douce odeur de cette fleur attire les fées. Oh! Alors, je serais pété de thunes, je ferais l'expérience. Mais comme je ne suis pas pété de thunes, je ne la ferai pas. Ah, pas mal. Pas mal la toile de ce soir, mais... C'est... Non, je suis content d'avoir le visage de la sirène. Le portrait de la sirène, c'est magnifique. C'est absolument magnifique. Bon, écoutez, troisième service, allez.
Je résiste pas à refaire une troisième fois le spectacle de la sirène qui est trop beau. Allez, tiens, Christella, tu l'as, je crois que tu l'as pas vu. Je te laisse admirer le spectacle, il est trop bien. C'est superbe. Ouais, c'est spécial. Mais c'est, je trouve que c'est vraiment très beau. C'est plein de féeries. Bon, bah, à part le gars qui propose les profondeurs. Je sais plus, mais c'était payant, je crois. Le mec qui est très près de ses sous. Ça a coûté de la thune, je crois, le truc. Ouais, 1000, ça fait suer. J'aurais eu ma canne à pêche, je dis pas. Mais, crotte. Tant pis, ce sera pour une autre fois. Non, bah, je vais me barrer. J'ai fait le tour pour la troisième nuit. Je vois ce qu'il y a comme... C'est beau, hein. Franchement, c'est sympa. Mais après... Ah, bah, tiens, ma grande. Qu'est-ce que tu fais dans le cimetière en pleine nuit, toi? À partir du moment que je ne suis pas en train de me changer, bien sûr. Alors, elle! Oh mon dieu! Mais l'espèce, cette fille, c'est pas croyable! Alors, elle a continué son dialogue de tout à l'heure quand on s'est croisé le matin. Où elle m'invitait à venir lui rendre visite dans sa chambre si, par hasard, je devais m'ennuyer. Et là, maintenant, elle termine sa phrase en soirée en disant « Faut pas que tu me vois à poil. » Enfin, bref. C'est... c'est spécial, Stardew Valley. C'est spécial. Bon. Ah. Aïe, 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 aïe. Ah, il faudrait que je revoie un moment dans le... je crois que je pouvais débloquer assez facilement les wagonnets, moi, dans la maison, j'allais dire la maison des délices, oui, bien sûr, la maison communautaire, là. Je crois que j'étais pas loin de déverrouiller les wagonnets, mais je sais plus ce qu'il faut que je fasse. Pardon. Bonjour, Aeroster. Non, c'est pas là que je range l'argile. Je suis en train de faire des bêtises. Oh là, tu nous salues tous nominativement. Bonjour Aeroster, merci. J'espère que tu vas bien. Qu'est-ce que... Lui d'ailleurs, je repense, enfin, je sais pas si les intéressés sont là comme la Jed, mais il faudra que je lui réécrive un petit mot pour le remercier. Il a pris le temps de donner des références culturelles sur le Discord hier soir par rapport à notre discussion folle d'astrophysique, de... Je ne sais plus de quoi on a parlé. Mais c'était bien, hier c'était vivant, les bibis, la vache. Mais mince, mais où est-ce que je range ma résine de d'arbre, moi? Ah, c'est là. J'y arrive plus. Euh...
Je sais plus si les confitures c'est le même. Non, c'est pas le même rythme. Je sais plus si j'ai fait les champignons. Oui, je les ai fait. Ouais, bah je peux aller me pioter. Oui, ça fait tard, oui. Ça va, là, encore un peu d'énergie. Et y a rien à la télé au niveau des émissions culinaires? Ah si, la reine des sauces. Bonjour, moi la reine des sauces, blablabla. Gâteau au chocolat. Oh, énorme! J'en connais dans le village qui vont adorer s'empiffrer. Le paradoxe de Fermi, très intéressante théorie. Oui, j'ai vu une longue vidéo explicative de feu Hubert Reeves. Oh, j'adore Hubert Reeves. Ouais, paix à son âme. Hein. On a vraiment perdu un grand homme. Hubert Reeves, c'est un mec adorable et savant au possible. Ah, bah, tu sais que je connais pas le paradoxe de Fermi, ça me dit rien du tout. Il y a la Jet qui m'a lancé là-dessus hier soir. Et bah, faudra que j'étudie ça dans la quinzaine avec grand plaisir. Peut-être qu'un soir je me ferai du Minecraft, mais sans vocal. Je vous préviendrai, les copains, je voudrais excusez-moi. Je m'isole un peu pour suivre le documentaire explicatif tout en jouant à Minecraft. À mon avis, je vais faire un truc dans le genre là. Bref, gâteau au chocolat. Quelle meilleure façon de passer ces froides nuits d'hiver que de plonger dans une riche montagne de chocolat. Avec mon aide, vous serez sur la bonne voie pour créer le meilleur gâteau que vous ayez jamais vu. Maintenant, vous allez avoir besoin de beaucoup de sucre. Ouais, j'ai appris à faire... D'ailleurs, dans la vraie vie, je crois que je me suis jamais amusé à faire un gâteau de chocolat. Je me suis déjà amusé à faire des petites pâtisseries, mais jamais de gâteau au chocolat, en vrai. Peut-être qu'un jour, il faudrait que je m'amuse à me lancer là-dedans. Pa, 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 pa. Quoi? Zeus vous aime. Ah, c'est mon chien. Putain, je me disais quoi? Zeus m'aime, c'est quoi cette histoire de dieu là? C'est vrai que c'est le nom que j'ai donné à mon chien. Oh la vache, il y en aura fallu de temps pour que mon chien m'aime. Il est difficile le waf waf. Alors bonjour Samantha. Oh là, encore un pavé à lire. J'aimerais vous donner quelques informations sur un événement à venir. La fête de l'étoile hivernale. Encore? C'est le moment pour la communauté de se rassembler et d'apprécier toute la bonne fortune que nous avons cette année. L'une des traditions préférées est l'échange de cadeaux secrets. Où tous les habitants du village se sont attribués au hasard à quelqu'un d'autre. Le jour du festival, tout le monde apporte un cadeau à son ami secret et le surprend avec quelque chose de spécial. Cette année, votre ami secret est Robin. Ne le dites à personne. La fête aura lieu le 25... En fin de matinée sur la place du village, à bientôt. Le 25, oula, c'est encore loin le 25. Ah, c'est la semaine prochaine. Merde, Robin, cadeau spécial. Attends, Robin, c'est la charpentière du patelin. Tout ce qui est sculpture en bois, elle aime bien. Si je demandais à Léa... de faire, je sais pas si je peux lui demander de faire une sculpture en bois pour que j'offrirai à Robin. Je n'ai aucune idée de... Je sais pas, faut que j'essaye. J'ai plus de conneries en tête, dit-on de ça. Manière. Manier. Oui, donc je fais mon tour promo pour cet après-midi. Je reprendrai mon antenne, pas à 14h, mais à 15h. Parce que je vais appeler un peu la famille et les dépanner à distance en informatique. Parce que là, il y a ma famille en gros qui m'a appelé à l'aide. Et du coup, bah sûr, il y aura un relais de chaîne tout à l'heure. Il n'y aura pas de clip. Je rendrai mon antenne. On se retrouvera à partir de 15h. Et je ferai une après-midi que du Lego. Sachant que... Alors, du moins, on va dire la première partie. Après, je laisserai l'intéressé qui est Torota choisir s'il veut ouvrir ou pas la vocale. Mais pour le remercier du beau cadeau qu'il m'a fait, j'ai convenu avec lui, pour lui faire plaisir, de, dans un premier temps, faire une vocale tête-à-tête exclusive en privé avec lui. Quoi. Enfin, en privé. Non, en public. Parce que je diffuserai, mais... je veux dire, personne ne pourra venir au début dans la vocale. Mais après, sur souhait de Torota, tu me diras si tu voudras à un moment ouvrir à tout le monde la vocale et engager d'autres de... Voilà.
pour te remercier de du beau cadeau que tu m'as fait. Enfin, j'y reviendrai tout à l'heure. J'y reviendrai tout à l'heure. Burm, 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 burm. Hop là. J'ai pas fini d'entretenir ma ferme, mais pourquoi je suis parti là, moi? Du coup, je vous fais la causette et je suis parti pour rien. Alors, je pourrais couper du bois. C'est peut-être d'ailleurs ce que je vais faire au lieu d'aller... Attends, je vais me doper au café, moi. Ouais. Comme ça, je vais me déplacer plus vite. Ouais, peut-être faire le tour de mon exploitation. Mais non, là, j'ai plus rien à récolter au niveau des arbres. Alors, ça, je comprends pas. Ah oui, je dois l'arroser. Alors qu'il neige, je dois arroser ces graines d'hiver. Je comprends pas. Ou alors c'est un bug. Ou alors il y a un truc qui m'échappe. Je ne me souviens plus. Mais oui, il y a des graines en hiver. C'était pas une récompense de quête, les graines hivernales. Parce que je me souviens pas les avoir achetées. Donc j'ai dû les planter et puis voilà. Je n'en attends pas grand chose. Je vois pas ce qui peut pousser. Ouais, bon là je récupère le CD de mes deux que je vais recycler dans le... Ouais, il y a Zeus, c'est l'amour fou visiblement, ok, il m'adore. Champignon, ça a été fait. Non, bah... Ah! Il y a la prout-prout communautaire. Attends voir. Le coût des wagonnets. J'aimerais me rappeler ce qu'ils me font pour déverrouiller les wagonnets. Parce que si ça me déverrouille des lieux secrets en souterrain dans la ville, ça va juste être énorme. Elle est quelque part par là-bas, la maison communautaire. Oh! Il y a les vers qui se battent en duel. Les vers de surface. Merdoum. Mais non, mais c'est la mine, ça. Je veux pas aller à la mine. Je veux aller à la maison commune. Ah, je suis en train de me planter de chemin et de perdre du temps bêtement. Et le café me fait déjà plus effet. Oh, oh non, je trouve que l'effet du café est trop éphémère. Oh, salut ma grande. Une autre année touche à sa fin. Le temps passe vite, n'est-ce pas? Oui. Ok. Ça lui ferait plaisir ou elle trouve ça débile comme cadeau? Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Non, elle est pas contente. Bon. Tu peux le jeter, ma grande, laisse tomber. Oui, elle est bonne vivante, Abigail. C'est vrai qu'elle aime bien la bouffe. Je suis sûr que je lui fais un gâteau de chocolat pour son anniv, elle m'embrasse. Ma main a coupé qu'elle devient folle. Ah, tu t'entraînes dans Nioh, Torota. Toi aussi, tu prends des cours de ninjutsu. Je rappelle que ninjutsu, c'est toutes les techniques des ninjas. Le fait de se faire discret, d'aller du point A au point B sans se faire détecter. C'est les messagers des grands seigneurs, les ninjas, au Japon féodal. Et leur technique d'assassinat, d'ailleurs, en grande furtivité, ça fait partie aussi du ninjutsu. Décidément, c'est rigolo, tout le monde s'y met. Alors, le jeu est très beau. Moi, je le ferai jamais. Mais le jeu est très beau. Ça fait vraiment hommage au Japon médiéval. Non, Roger... Non, c'est pas le rocher, Saint-Hyre. C'est quand il me parle des wagonnets. Il est où, le truc des wagonnets? Non. Le bus, c'est la thune. Ce sera en dernier. Je vais pas claquer ma thune dans un bus. Wagonnet. Géologue. Ah oui, il me faut un truc rouge et il me faut un lingot d'or. Faut que je retienne. L'espèce de caillou rouge, là. Le faux rubis qui dit pas son nom. Et il me faut un lingot d'or. Et là, les wagonnets sont réparés. Ce qui veut dire que je suis condamné à aller à la mine. Je peux aller un petit peu miner, vu l'heure. Comme je suis pas très... Oh, le bel oiseau. Je vais aller miner un peu. Je vais dépenser un peu mon énergie. Et un autre jour de la semaine, je ferai du bûcheronnage. Parce qu'il y a pas mal de sapins à abattre dans les bois. Et ça va permettre d'éclairer pour le printemps prochain. J'ai loupé du août, tant pis.
J'ai perdu du ou, tant pis, tant pis. Alors, pourvu qu'il n'y ait pas trop de créatures hostiles, parce que... La malheureuse, elle va finir enrubannée comme une momie sortie de la mine, tellement qu'elle aura plus de cours. Mais ça devient Diablo, la mine. Je n'ose imaginer ce qui m'attend au 120e sous-sol. Eh, hey, s'il y a de la ressource et qu'il n'y a pas d'ennemis, je reste ici, moi. Merde! Il fallait que j'en parle pour me faire patater. Malheur à moi. On ne panique pas. Voilà. Alors lui, il va me faire suer, là, le gélatineux des profondeurs. Il me fait tellement bien suer qu'il m'a déjà paralysé, le salopard. Mais arrête! Mais retourne-toi, Samantha! Je lui donne l'ordre de se retourner, elle continue de donner des coups. Ok, j'ai réussi à mater le... La gélatine. Oh putain, je suis déjà en dessous de la moitié de ma vie. Oh wow, il faut surtout pas se faire toucher dans les derniers sous-sols. Tu te fais, mais alors déboîter. Non mais au 120e sous-sol, il y a Diablo qui m'attend. C'est un Diablo qui dit pas son nom, la Stardew Valley, vu la logique de jeu. J'ai rincé le sous-sol. Il est tout propre dans la mine. À part le petit végétal. Bon, d'accord. Ça ne pouvait être parfait. Ça ne pouvait être parfait. La 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 la. Oh! Qu'est-ce que c'est que cette boîte avec une tête de... Oh! Ce sont les affaires du démon. Ah! Il y a un rocher vivant qui m'attaque. Merde, j'ai bousillé la boîte. Visiblement, il n'y avait rien dedans. Le machin, c'est du décor. Voilà, je l'ai eu. Ouh, je cherche à faire des cailloux. Faut que je regarde l'heure. Ah, les fameuses notes secrètes, dont je n'ai plus la place. Ouais, je mange une racine d'hiver. Je sais même pas si c'est une bonne chose. Ouais, sans plus, la racine d'hiver, bof. C'est pas la panacée, mais bon, on fait avec. Bon, bah j'ai gagné une note secrète, génial. Oh merde, y'a un ennemi. En même temps, il est coincé dans son truc, alors... Oh! J'ai bien fait de m'avancer. J'ai de l'or. Alors là, le combat est inévitable. Ah, il y a un tonneau. Merde, mais elle sait pas se retourner, Samantha. Ça va mal se finir, cette confrontation. Ça va. J'ai repris la main. Mais c'est bizarre, le contrôle du personnage en combat. C'est... Oh mon Dieu, je me barre. Ouais, je me barre complètement. Ils sont trop dangereux. Oh, il y avait un grand sorcier, vous voyez, sur la droite, avec les cornes, là. C'est un grand sorcier, il me voit, il me marre la boute. Il me marre la boute, le vilain. Il va me faire des chaises. Ah! Mais j'ai plus de place. Voilà, exactement. Aïe, aïe, aïe. Il va me marabouter, les grands vilains des cavernes. Je veux pas les rencontrer à nouveau. C'est moche. Et je sais toujours pas parler la langue naine. Il va falloir que je trouve l'astuce. Je pensais qu'en allant à la bibliothèque, en consultant un bouquin, j'allais trouver un dico de traduction langage commun, langage... Enfin, langage humain, langage nain. Eh ben non. Donc je suis déception et je sais pas comment faire. Il doit y avoir une quête liée, je sais pas laquelle.
au fait ou d'avoir la connaissance du langage nain. Peut-être que le sorcier là, avec qui je suis en train de copiner va m'aider. Attendez voir. Bonjour Jean-Benoît, j'espère que tu vas bien, merci à toi d'être là. Quoi? Faudra que je vous relise, Christella est en retard. Bon, je sais que c'est une causette entre vous, mais... Vous vannez sur du Nio. Alors attends, les notes secrètes, je les rangeais dans mon coffre. Voilà. Les vieilles froissées, mais si vous regardez plus près, vous pouvez distinguer des détails. Vache. J'ai pas mal de trucs à ranger, à vrai dire. Je remets des appâts dans les... Je suis pas motivé à remettre des appâts là-dedans. Ma motivation a disparu à gérer les paniers à crabes. C'est triste quand même. C'est ça qui est triste. Non, l'or ne se range pas là, malheureux. Ou devrais-je dire malheureuse, si on incarne Samantha. Ouais, je vais mettre ça là. Ah oui, ça c'est les restes de monstres. Waouh. Waouh, je peux faire des lingots d'or. Je peux faire des lingots d'or. La prochaine nuit, parce que je crois que ça prend du temps, comme c'est une matière précieuse, je vais demander à ma forge de me faire un lingot d'or. Ah bah tiens, lui il m'a fait du raffiné là, je sais pas, ouais, du quartz. Ah bah sympa, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, la récolte elle est bien. Voilà, j'attends bêtement que la forge ait fini. Oui, ça va bien Jean-Benoît, merci, j'espère que toi aussi. Pardon, je dis ça au moment où j'éternue et que je me fais agresser par une chauve-souris. Ah, panique on board, mais elle va me... Attendez, la chauve-souris va me buter, vous allez voir. Elle est où? Elle est où la vilaine? Ah, elle est là. Peau de vache. La peau de vache. Elle m'a mis des chocottes. Alors c'est 10 ou c'est 5? Non, c'est 5. Donc je pourrais refaire un autre lingot d'or plus tard. Mais je le referai au petit matin. Ça va se faire durant la nuit comme c'est long. Autant... Et j'ai rien au niveau des confitures. Ah, j'ai bien fait de jeter un dernier coup d'œil. Là, j'aurais perdu une nuit de fermentation. Ça aurait été ballot. Rentabilité maximale. Faites-moi des confitures qui rapportent de la thune. Les confitures de la thunasse. Eh oui, du bel artisanat. Non, attends, j'ai peut-être une recette de cuisine à la téloche. Oui. Oh, c'est pas une rediff en plus. J'ai bien fait d'avoir le réflexe. Ouais, tu vas bien Jean-Benoît, c'est cool. Si vous voulez vraiment faire plaisir à quelqu'un, offrez-lui son cadeau préféré le jour de son anniversaire, faites-moi confiance. Bah, c'est ce qui s'est produit visiblement avec le sorcier, là. Avec son truc du vide. Ok, c'était la recette du jour, bon. Dommage. Avec la nana qui fait la cuisine, là, qu'elle m'apprenne à faire le pudding aux prunes. On a vu que le pudding aux prunes, c'était une panacée, là. C'était un truc qui dopait bien. Et pause d'entrée de jeu, pourquoi? Parce que j'ai besoin de me moucher. J'ai mon nez qui me travaille, excusez-moi. Pourquoi j'ai plus de mouchoir? Normalement j'ai toujours un paquet de mouchoirs à côté de moi. Ah, j'en ai là-bas. Minute papillon. Gogo gadget ton bras. Je vais pudiquement couper mon micro 30 secondes, le temps de faire un son de paquebot qui arrive sur le port.
Putain, je suis en train de voir, j'ai un client qui m'a redonné une de mes clés USB. Et je l'ai pas rangée, c'est pas bien. Et je l'ai mise bêtement à côté de ma PlayStation alors qu'elle a rien à y faire. Mais bon, je reverrai ça demain. Blablabla. Vendredi. Attends. C'est bizarre comme. J'arrose les étranges plantes de divers. Ce serait pas du houx par hasard. J'ai peut-être cultivé du houx sans le savoir. Merdoum. J'allais dire faire le tour des arbres pour voir si j'avais de la résine. Non, c'est vrai que je l'ai fait trop. Je crois qu'il doit y avoir de la résine d'arbre que tous les 15 jours, un truc dans le genre là. Donc comme j'ai fait une belle récolte récemment, je vais l'avoir dans le baba. Je revois les critos de Zeus vous aime au petit matin, c'était trop mignon, mais si surprenant. Regardez, Zeus qui fait dodo là, au côté de la gamelle. Aïe. C'est reparti, on fait de la mousse par ici. On fait plus que de la mousse d'ailleurs. Attendez, je peux en refaire deux, je crois. J'avais de la résine de chêne que j'ai rangée, mais oui. Avec du cuivre. Attendez, j'ai optimisé ma production. Merde, il va me dire que j'en ai plus assez de cuivre. Ah non! Non! Ce jeu est cruel! C'est quoi ça? C'est des géodes? Vache, j'en ai 26. Ah, le problème, c'est qu'il faut que je paye, je rémunère le forgeron. Alors, le gain peut être sympa, mais pas toujours. Donc, j'ai pas trop envie de jouer à un effet casino, là. La chance au jeu, j'y crois pas trop. Attendez, je n'ai que ça en cuivre. Ah, je suis deg. Où est-ce que j'ai rangé la résine? Ah, elle est là. Merde, j'ai rien d'autre en cuivre. Ah, je me voyais pas aussi pauvre. Je suis choqué. Je vais recycler le déchet. Attendez. Ah si, c'est bon, je peux en faire deux. Oui, mais c'est bien. De toute façon, j'ai pas plus d'origine de chaîne. Mais il faut pas que je... attends, je vais peut-être laisser de quoi pouvoir passer... Mais à moi la tunasse, ça rapporte le houblon, ça rapporte. Non, il va pas manger le houblon, t'es folle toi. Ne déconne pas. Ah ouais, il faut que je mette l'accent sur les lingots de cuivre. Et j'en ai pas tant que ça. Salutations. Putain, m'a fait Nous peur. Avons le plaisir d'accueillir Dragonsky. Bonjour Dragonsky. J'espère que tu vas bien. C'est rigolo que tu te sois lancé hier sur ton... Alors, je devine que je t'ai influencé dans mon propos hier soir durant les bibilles, quand on parlait des chevaliers de Baphomet, l'épée brisée dans la version anglaise, ce Broken Sword. Les chevaliers de Baphomet, tu t'es lancé dans le troisième opus dont je disais qu'il était rare qu'il soit en français. T'as la chance de l'avoir sur console, donc bravo. Garde précieusement ton jeu, parce qu'il est coté, hein. Il est rare maintenant. Mais tu sauras que tu t'es lancé dans le troisième opus d'une magnifique saga. Je serai toi, vraiment, pour la cohérence avec les personnages, je t'invite plutôt à démarrer au premier opus. C'est génial. C'est pas pour rien que c'est une saga culte, les Chevaliers de Baphomet.
de pointer et cliquer aventure et enquête. Je peux pas dire énigme, c'est enquête. Les scénarios sont vraiment sympas. Enfin, je dis ça, j'ai fait les deux premiers, mais justement le troisième là que tu faisais, je cherche en français. Mais non, bien. Je me sens profondément débile. Je suis parti vers le village sans raison. Je me sens profondément débile. Je vais regarder rapidement le calendrier de Pierre. Quoi? Non, mais Jojacola, je m'en papa out de. Ah, il y a mamie! Demain, il y a l'anniversaire de mamie dans le village. Ah, qu'est-ce qu'elle aime? Elle est bonne vivante, la mamie. Elle est adorable. Je crois qu'elle aime bien les plats aussi venant de la ferme. Un truc à base de champignons, je pense qu'elle devrait aimer. Dragoncelle, tu me dis, oh, c'est pas grave si j'ai commencé par le troisième. Bah, grave non, mais il y aura sûrement des subtilités de vannes de faisant référence aux opus précédents. Tu vas pas percuter quand tu vas les avoir sous les yeux. Je présume, hein. Parce que moi j'ai eu des vannes. Enfin, des allusions dans les dialogues dans le second opus faisant référence au premier. C'est vachement agréable. Mais bon, c'est toi qui vois. C'est toi qui vois. Je peux pas louper l'anniversaire de mamie. Elle est adorable, la mamie du village. Alors que je fouille. Oh, du riz au lait. Crémeux, sucré, agréable à manger. Je veux apprendre la recette du riolet. Salut Léa. Oh, elle fait la tronche. Ce serait tellement bien de partir en vacances de temps en temps. Ah, elle en a marre de sa routine. Elle en a marre de sa routine. La malheureuse. Oh, il y a des trucs à cueillir. Ah, il s'exerce, le beau gosse. Tiens, d'ailleurs, si je donnais ça au beau gosse, il serait heureux. Merci, j'aime vraiment ça. Ah, je vais essayer de le dragouiller un peu, le Sam. Parce qu'Abigail, elle est sympa, mais... Elle est... J'ai envie de dire, elle est un peu trop excentrique. Alors que Sam, le beau gosse, là, s'il peut me prêter ses bras dans l'exploitation agricole... Je voudrais pas dire, mais... ça pourrait être vachement rentable. Je vais couper du bois. Voilà. Il y a trop de sapins par ici. Elle n'aime pas les petits chats, la mamie. C'est la mère Michel qui a perdu son chat. Oula. Merde. Il est déjà midi. Bon app pour ceux qui passent à table. Alors ça me fait beaucoup rire le caleçon chez la voyante avec la cinématique. Ah j'ai pas vu. Pardon, je suis allé me coucher. Alors c'est vrai que j'ai fait mon vilain hier. Hein. Je te regardais au début Dragon Sky et je suis allé me pioter. J'ai eu un coup de pompe comme on dit soudain. Et je me suis barré, j'ai éteint l'ordi avant, sans même dire au revoir, désolé. Parce que, dodo. Non, j'ai pas vu. Mais la voyante, si c'est la fleuriste, là, qui est devant l'immeuble de Nico, à lire dans les lignes de la main, oui, la voyante, je vois que c'est un personnage récurrent, tu la découvres dès le premier opus. C'est pas grave, mais en temps fort, le moment-là. Ah ouais! À ce point-là, moi je pense que je pourrais regarder sans me divulgâcher l'œuvre parce que ça doit être une vanne, donc ça va me parler puisque je connais tous les personnages de la saga. Le coup du caleçon, merde, tu m'intrigues. Je regarderai ça peut-être ce soir si j'y pense, sinon ce sera demain. C'est pas grave. Mais mon dieu, il y a beaucoup d'humour hein, dans les Chevaliers de Baphomet. Il y a de très bonnes vannes. Et puis on voit que le... Alors... Je
peux pas dire que je vais vous divulguer ça dans l'œuvre. Vous devinez que les deux, Nico Collard et George Stobard, c'est un couple en devenir. Ils finissent par fricoter ensemble. Et il y a justement une routine qui... Merde, je me trompe d'appareil, moi je fais n'importe quoi. Ils finissent par se faire des... Pas des vacheries, mais... Dans les dialogues, parfois, il y a des pics de complicité de vieux couples. Il y a des... Enfin bref, c'est extra. J'adore. Je suis bon client. Ouais, j'avais récolté un CD complètement pété dans je sais plus quelle poubelle. Merdoum. Salutations. Nous avons le plaisir d'accueillir AJ Club. Oh yeah. Bonjour AJ, j'espère que tu vas bien. C'est bien, vous savez utiliser la commande coucou. Ce serait peut-être pas mal que je lis la commande avec mon émoticône de salut là qui... Si c'est pas déjà fait d'ailleurs. Je pense que vous pouvez préfixer du coucou et puis mettre un pseudo que vous souhaitez annoncer. Pourquoi j'ai rangé de l'or là, moi? Bref. C'est pas là où il faut. Je n'ai pas là où il faut. Da-di-da-di-da-do. Chez chaque vilain pas beau. Oui, d'ailleurs, je vais anticiper mon miam, moi, et mettre un truc à chauffer pendant une heure. Attendez, c'est vendu, machin. Pause. Ouais, tout le monde va bien, merci, AJ, j'espère que toi aussi. Je m'accorde une petite pause, attendez, de une minute. Je vais aller en cuisine. J'ai préparé ce matin. Je me suis préparé du miam ce matin, mais il faut que je fasse cuire. Donc, attendez pas, donc je dépose le chapeau de cow-boy. Alors ça c'est fait, c'est bon, j'arrive. Moi c'est bien, j'aurais pas à courir après le temps. Baba cool, un dimanche qui va être super agréable en votre compagnie. Ouais, ça va bien. C'est cool. Vous avez zizi à lire, comme j'aime le dire. Donc je rappelle le programme tout à l'heure. Lego de 15h à 20h, en gros. Tout doucement, je montrais le Lego. Et puis je démarrais surtout avec une vocale exclusive envers Torota pour le remercier du beau cadeau qu'il m'a fait. Donc ça va être vraiment un dimanche baba cool. Je me vois pas faire autre chose. Je bouclerai mon antenne à 20h avec le tableau mystère et puis voilà quoi. Ça va être un dimanche très très simple, très
très épuré. Ça change un peu. Voilà. Moi, c'est bien, ce matin, j'ai pu faire quelques tâches ménagères. J'avais pas prévu ça à la base, et puis j'ai préféré me lancer dedans avant même de lancer l'ordi, donc... Je vous avais annoncé le Stardew Valley le matin, donc c'est bien. C'est cool. C'est cool, Raoul. Attendez, j'ai un doute, j'ai arrosé les végétaux ou pas? Oui, ils sont arrosés. Incroyable, mais vrai. Je vais pas faire un aller-retour. Ah, attendez, je vais peut-être quand même couper les sapins, mais en haut, juste en haut. Comme ils sont pas très loin, je sais qu'il y a des arbres. Oh merde, il y avait une chauve-souris qui se pointait sur moi, la peau de vache. Celui-là, je peux le couper. Ouais, mais non. Il va tomber, je peux pas récolter, je peux pas passer la barrière. Ouais, c'est un peu débile. C'est imbudibudibilous. Alors que là, la donne est différente. On voit que des sapins vont repousser. Il y a déjà des jeunes pousses qui émergent de la neige. Donc, faut entretenir tout ça, en fait. On va pas se mentir. Demain, il faudra que j'essaie d'aller dans la mine. Dans la mine, avoir le rocher rougeâtre. Alors, je pense que c'est dans les niveaux dans lesquels je me trouve, là, de quasiment lave. Oh, mais ils sont terribles avec leurs notes secrètes. Putain, mais c'est la folie. Il va y avoir plus de notes secrètes page par page que des bouquins retrouvés à la bibliothèque. Je me demande d'ailleurs si c'est pas déjà le cas. Je suis soupçonneux au niveau des comptes. Oh merde. Allez, viens de battre la chauve-souris de mes deux. Va mourir. Incroyable. Ouais, je range ça dans le coffre des douceurs de l'hiver. La douceur de l'hiver. Il est où le coffre là? Ça me fait pas mal de trucs. Des choses. Merde, il y en a encore une. Je l'entends, lave-la. Je l'ai mis. Wow, je l'ai pulvérisé. Je l'ai pulvérisé, je l'ai déchiré en deux. Violence. Je l'ai déchiré en deux. C'était une jeune chauve-souris, elle avait un petit gabarit. Allez, j'ai le temps de placer un dernier minerai à faire fondre pour la nuit ou pas? Je veux y croire. Je peux le faire. Ah, c'est dommage, je suis à un minerai près pour le... L'or. La maison du café. Je prends une... Oui, bah... Ouais. Ranger l'or là. Non, visiblement, le... Ça veut pas. Tant pis, j'abandonne. Alors, la téloche, l'émission du jour, elle dit quoi? Elle dit rien du tout. Donc, dodo. J'ai déjà oublié ce qu'on avait dit. Aujourd'hui, on faisait... Oui, la mine. On essaye d'aller le plus tôt possible à la mine, récolter le rocher rougeâtre, là. Histoire de déverrouiller Putain, c'est encore une autre secrète que j'avais pas. Parce que j'en cumule, j'ai des doublons. C'est la folie, ce jeu, c'est la folie. Waouh, y a trop de trucs. Le jeu qui fait perdre la raison. Alors, les gamelles du chien, arroser les végétaux de l'hiver. J'ai vraiment aucune idée de ce qui va émerger
Puis ça a l'air de mettre du temps à pousser. Enfin, en même temps, j'ai pas pensé à arroser, croyant que la neige, comme disait Nayonet, allait naturellement arroser le sol, mais pas du tout. C'est une règle vache de Stardew Valley. Croyez-le ou non, mais on garde cette même mécanique d'arroser avec frénésie tous les jours le matin. Ah, qu'est-ce qu'il fait là, Zeus? Ça, c'est bizarre. C'est pas... J'ai pas souvenir que ce soit son point de prédilection. Qu'est-ce qu'il me fait, Zeus? Qu'est-ce qu'il y a? Oh oui, c'est la morfou, il est content. Il est content, le petit Zeus. Tiens, exceptionnellement, le champignon, là, je vais le vendre. Enfin, si je peux. Bah merde, alors. Oui, Zeus, on t'entend. On t'entend, les chiens. Alors que là, il y a... Oh, bien, de l'argile. Je sais plus, l'argile est précieuse, mais je sais plus pourquoi. Alors, évidemment, ça rentre dans la composition d'une recette d'assemblage dans l'établi. Enfin, du moins, dans la... Dans l'établi, c'est Minecraft. Mais dans les mains expertes de bricolage de ces mains, ok. Mais je sais plus pourquoi l'argile est précieuse. Ah, l'engrais, je crois, ou le... Non, le truc de rétention pour le sol, c'est, ça me revient. Ce qui est on ne peut plus logique d'un point de vue agriculture. Il n'y a pas plus logique. On avait dit la mine au plus vite, la mine et la mine. En fait, il faudrait que je dégote une par coup de bol, que je me trouve un... Non, mais va te faire en papaouté. J'ai jamais demandé à avoir du raisin. Oh, le mauvais clic. Je mémorise que je mets l'arrosoir là, histoire de libérer une case. Et je me barre dans la mine. Je vais tenter ma chance à l'aventure dans la mine. Dans la mine. Alors, pioche en main, tout de go. Donc moi, il faudra que je surveille mes gamelles à 13h. Comme ça commence à chauffer. Non, je passe par là. Idéalement, si je peux faire un relais de chaîne pour vous à 20, pour 13h plus tard. Et on se retrouvera à partir de 15h. C'est le programme parfait. Ah oui, c'est resté. Tiens, j'avais pas à mettre... Oh, puis c'est du ou qualité or. Ça aurait été dommage que je ferme les yeux là-dessus. Non, je me suis trompé. J'ai cliqué trop vite. Merde, je veux déjà un truc en bas de l'écran qui veut ma mort. Non. Waouh, comment qu'elle se fait biffer, ça m'en pas. Mais non, mais c'est trop de violence. Ils sont balèzes, les ennemis. Merde. Ah! J'ai la possibilité de descendre au niveau inférieur. C'est tentant, mais c'est pas mon but. Mon but étant de récolter le rocher rouge qui... Oh putain, c'est pas vrai. Ah! De l'or, c'est apprécié. Ah! Il y avait une histoire de stats, je sais plus si c'était de ton côté, Dragon Sky, ou du mien. Non, il y avait un bouquin en bibliothèque qui disait qu'il y a aussi la probabilité très faible... Mais possible de récolter du diamant. Et j'ai pas souvenir d'en avoir pioché du diamant. Je suis déjà bien content d'avoir de l'or là. Mais non, je me bats pas à l'épée, Dragon Sky, je me bats au maillet. Regarde ma deuxième case dans ma barre d'action. C'est un maillet.
C'est tout aussi efficace qu'une épée. Mes ennemis, je leur donne des coups de maillet dans la tronche. Maillet que j'ai remporté d'ailleurs, je l'ai gagné. Ah, il m'a fait peur le crabe rocher là. Parce que j'étais en train de lire le chat. Ouais, le diamant c'est très rare, ouais. Ouais, c'est pour ça que je dis que j'en ai jamais pioché, mais j'avais lu quelque part que c'est possible. Voilà, bastonnage au maillet. Oh non, il y en a encore un autre. Que la folie, je t'adore. Allez. Oh, l'autre, il me fait les yeux rouges. Oh! C'est énorme. J'ai récupéré le crabe qui était sous le rocher, apparemment. Ce jeu, c'est la folie. Mon inventaire est plein, je présume. Non, pas du tout. Tant mieux. Je peux continuer sans me poser de questions. Il y a le point d'exclamation qui s'excite dans l'interface là au niveau des quêtes. Ça me bouffe. Merde, c'est l'anniversaire de la grand-mère. J'ai oublié la grand-maman. Non, j'ai oublié la grand-mère. Attendez, les quêtes, c'est une faveur pour Clint. Ah oui, tiens, oui, j'avais pas pris ma thune. Les produits bio de quoi? Ah oui, non, oula, c'est la quête impossible pour moi. Merde, j'ai oublié la grand-mère. Ah, je peux pas snobber la grand-mère, elle est trop choupinou, elle est adorable. Y a pas un truc formidable ici? Non, y a la mort ici, j'entends des cris horribles. Tant pis, j'abandonne la mine. J'abandonne la mine. Est-ce que offrir le crabe à la mamie, ça va lui faire plaisir? Je prends des risques. C'est vrai que j'ai rien cuisiné, mais... Oh, qu'est-ce que je fais? Je fonce en cuisine faire un truc à la grand-mère? Ce serait peut-être une bonne idée quand même. Evelyn, je crois, le prénom de la grand-mère. Ah, oh, je peux pas la snobber, elle est trop gentille. Elle, c'est sûr, ça va devenir une bonne copine dans l'histoire. La cuisine me propose de faire quoi? Ah bah voilà! Champignons frits, elle va être heureuse, non? Je crois, hein. Oh, pas fan du sashimi! Poisson quelconque. Ah, c'est le crabe qui doit être considéré comme du poisson. Non, mais non, le crabe, je vais le garder. Je vais le garder, le crabe, on sait jamais. Pour peu qu'on me propose un truc du genre bisque de homard. Enfin bon, c'est un crabe, mais bon. Oh, je vais ranger la note qui me gave et qui me prend une case d'inventaire. Ah, là c'était un doublon. Pour le coup. Ah, il faut que je range mon aile chauve-souris. Je sais pas ce qu'elle fout là. C'est pas comme si le coffre des proutes-proutes était ailleurs. Je fais travailler ma mémoire. La grand-mère, elle est où? On est en hiver. Elle doit pas faire les bacs de fleurs du village. Ça m'étonnerait. Elle doit être aux choses chez elle. Ou alors elle est au marché en train de faire ses courses. Elle est où, la grand-maman adorable? Attends, je vois. Ça, c'est le médecin. Je peux faire quelque chose pour toi? Non. Elle est pas dans sa cuisine. Elle est où? Ah, il y a George. Pour moi, le week-end n'est pas différent du reste de la semaine. Bah oui, mais si tu fous rien de tes journées, tu vas déprimer, mon gars. C'est comme ça qu'on est à la retraite. Ouais, bah, prout. Elle est en cuisine, peut-être, mamie Nova. Non? Ah, Alex, non, je... Non. Ah non, mais elle doit être dehors. Merde, elle est où, Evelyne? Ah, ça, c'est la pimpette du village, Pam. Il faut que quoi? Faudrait que je pêche, vu que j'habite juste à côté de la rivière. Ah bah oui. Elle est marrante, elle. Ah, la v'là. Attends, ma grande. Non, je vais pas lui donner des ailes de chauve-souris. Oh, la boulette. Attends, le plat raffiné, il est là. Salut, joyeux anniversaire. Un cadeau d'anniversaire, c'est très gentil de ta part, je l'adore. Voilà. Quand je vous dis que ça va devenir une bonne copine. Nous vivons ici depuis plus de 30 ans. Vous avez vu 30 fois le festival des sirènes. Nous avons vu beaucoup de gens arriver et repartir, comme ton grand-père par exemple. Béni soit-il, soupir. Ah, elle aimait bien mon grand-père.
dans l'histoire. Dans l'histoire, dans l'histoire. Kid de... Pourquoi? Ah. Donc c'est bien. Alors incroyable, mais je crois que c'est ma première semaine de Stardew Valley où j'ai bien géré les anniversaires. Au moins la semaine-là, je l'aurais bien... Niveau social, je l'aurais parfaitement joué. Le reste, je dis pas, mais... Il y a la puce et sa maman. Je les ai reconnus. Oh tiens, on n'est pas allé dans le secteur de la gare. On n'est pas allé dans le secteur de la gare. Bon bah c'est loupé à mon avis pour le... Bon, il reste encore demain dimanche, mais... C'est loupé à mon humble avis pour le... Pour le rocher rouge. Moi j'ai payé la dernière amélioration du sac à 10 000 pièces d'or. Oh, ça finira bien par arriver, mais j'en fais pas une priorité, tu vois. Je me contente de 2 lignes sur 3. C'est cohérent, hein. La pousse est vraiment ralentie en hiver, voire complètement stoppée. C'est logique. J'ai rien à redire. C'est parfaitement logique. Est-ce que j'avais pas des sapins en bas de la propriété à... Ça, on voit que ça va pousser à l'avenir. Ah non. Non, non, j'ai bien entretenu mon terrain. Je peux rien faire d'autre. C'est ballot que j'ai aucune récolte pour ce soir. Chez ballot. Ouais, je vais quand même attendre un peu histoire de faire du minerai. Il n'est pas encore 20h dans le jeu, alors... On va rentabiliser la journée, c'est moi qui vous le dis. Ah, ça y est, les ennuis commencent. Les ennuis nocturnes. Vilaine bête va mourir. Burp. Prends pas un coup de maillet dans les gueules. Voilà. Ah, vous avez vu que j'ai bien fait d'attendre tous les fûts de bière là qui viennent de... Qui viennent de prout prout. Ah, mais j'ai quand même me faire un lingot de fer, héros. Je vais pas bouder l'occasion de me faire un lingot de fer. Ça, c'est le truc qui va se faire de nuit. Le lingot nocturne. Ouais. Alors, la moumousse. Le festival de la moumousse qui rapporte. Oh la vache, j'ai plus de houblon qualité de base. Il va falloir que j'aille chercher mon houblon de haute qualité pour les prochaines mousses. Alors je sais pas si ça va changer la qualité de la bière. Bon, il faudra avoir le coup d'œil, mais... Va valoir avoir le goût d'œil. J'aimerais bien faire le... Merde, attends, je vais ranger le... Ouais. Ah, c'est mon deuxième échantillon de houe de haute qualité. Alors, une essence du vide, le truc qui rend fou le sorcier. De l'essence du vide. Ouais, je veux faire un lingot de fer. Est-ce que j'ai pas un déchet recyclé? J'avais pas des paires de lunettes pétées. C'est pas l'exercice de l'archiduchesse, mais presque en élocution. L'exercice favori des orthophonistes. D'où vient ta poing? À qui c'est atteindre? Hop là, non! Ah, quand vous concentrez trop d'objets dans un même endroit, les interactions, il faut vraiment faire gaffe dans quel sens vous orientez le perso que vous incarnez. Allez, c'est reparti, des restes de monstres.
La géote, je l'ai gardée ou pas sur moi? Non, je peux la ranger là. Attendez, pardon, j'ai une démangeaison à l'œil. Excusez-moi du peu. Puis j'ai envie de reboire un coup. Mais non, mais arrête. Dodo. Ouais, le temps de passer la nuit, je bois un coup. Génial. Je peux faire mon terroriste. Je sais fabriquer une bombe. C'était bof bof, hein, les bombes. Ça marchait effectivement que pour les déblayer la roche en sous-sol. J'avais voulu faire usage, souvenez-vous, d'une bombe pour faire péter les arbres en surface et gagner du temps, et ça marche pas. Et ça, je trouve ça un peu débile. Mais bon, bref. Bref, bref, bref. C'est la règle du jeu. Ah, on me harcèle par courrier. Alors, j'arrange encore une... Je sais pas, je trouve bizarre cette histoire. En plus, vous avez vu la tronche des végétaux, là, il y en a qui semblent grillés orange. J'ai l'impression que c'est mort. Je pars dans l'inconnu. J'espère que je vais avoir une récolte avant la fin de l'hiver, parce que dans la logique du jeu, il me reste plus qu'une semaine pleine en hiver. Si le végétal il faut toute la saison pour pousser, je suis foutu. Hein. C'est autant dire que j'ai perdu le... Je me ferai avoir à chaque fois. La 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 la, canigula. Le courrier. Samantha, comment vas-tu? Ah, c'est Robin. Ah, celle à qui je dois faire un cadeau secret. J'ai mis le temps fort de mon salon sur ton serveur. Ah, je regarderai tout à l'heure. Merci. Merci, Dragon Sky. Samantha, disciple du 11 septembre. Non, mon dieu, quelle horreur. Ça va pas être Jay. Ah, tu vois, encore, j'aurais fait avec la bombe, j'aurais fait une vanne avec l'écorce, comme j'aime bien en faire. Mais oh, quelle horreur, c'est horrible. Comment vas-tu? J'espère que l'hiver n'a pas été trop dur. Bref, je t'écris pour te demander du bois dur. J'ai besoin d'un bon 10 morceaux si tu les as. Sinon, pas de soucis, à bientôt, Robin. Ouais, je les ai. Je les ai, ma grande. Je les ai quelque part. Ou je sais plus, mais je les ai. Voilà, là j'ai du bois. Alors attends, faut que je rende visite à Robin. Il faut que je rende visite à Robin. Il va falloir que je range mon. Donner de la flotte à Zeus. Bon, yo le gentil toutou. Il est en train de sonder le terrain là, en tapotant de la queue sur le sol. C'est génial. C'est génial si ça pouvait marcher comme ça. Vous savez, le chien, il tapote donc avec sa queue le sol et il arrive à sonder les puits de pétrole. C'est là qu'il faut creuser, waf. C'est rigolo. Comme mécanique de jeu complètement loufoque, mais ce serait drôle. Bon, Henry à part. Non. J'aimerais ranger mes amanites tumouches ou équivalent là, champignons rouges. Robin, la mine. Robin, la mine, c'est perlé, oh, que c'est super, ce Robin, la mine. Alors, on est bien d'accord, hein, j'ai pas été débile, j'ai pris le bois dur. On est d'accord. Donc c'est tout bénef, hein, je pense que je vais... J'espère que ça va me payer bien. Parce que 10 bois durs, à 500 le bois dur à l'achat, j'espère qu'elle va me donner quand même une pièce d'or. Non, toi, t'as besoin de moi, ma grande. Attends, bouge pas. Tu m'as demandé ça. Oh, tu m'en as apporté, je sais que je peux toujours compter sur toi, Samantha.
Ce bois est parfait, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Meggy, bah écoute, je t'offre un bonus. Merci, c'est vraiment gentil de ta part. Et bah tu feras un truc à côté. Oh, lis le journal, son concubin. Salut, attends, je vais prendre mes outils parce que s'il croit que je lui offre un truc. Alors, des nouvelles dans le journal? Nous sommes isolés du reste du monde à Stardew Valley, c'est peut-être une bonne chose. Ouais, pour la quiétude, tiens, cadeau. Merci, c'est un spécimen très intéressant. Il est extraordinaire ce garçon, il est toujours enthousiaste. Oh, la pinouque s'est barrée. La mine. Non, faut que je remonte. Il faut que je remonte. Oh! Surprise! Surprise de la marinature! C'est beau. Oh, j'achète mes champignons, vous savez quoi? Ah ben non, ils ouvrent l'après-midi la guilde des trucs mouches. Ah merde. Parce que j'aimerais bien acheter mes champignons. Ça fait même à 5000, ça fait cher. Mais perdre une centaine de champignons, franchement, ça fait mal. Ça fait grave mal. Un cubain, je vais à Cuba. Zigonza. Oui, Jean-Benoît, oui. Vivi. Ah! Allons-y, gamer. Allons-y, gamer. La pioche entre les dents. Ah! Je vais me faire en papaouté par le gélatineux là. Attends, le gélatineux je l'aime pas du tout. Il est en train de me faire bobo. Vache. Oui, mais il m'a fait bobo. Salopard. Putain, il m'a bouffé toute ma santé l'autre. Oh non! Il y a trop d'ennemis et pas assez de minerais. Scandaleux. Oh non, mais non, mais la méchanceté de ce jeu, quoi. Et voilà. Ah ah ah! Non! Samantha, non! Malheureuse! Ne fais pas ça, malheureuse! Tu vas mourir et t'es morte. Et voilà. Et ben génial, je dois récupérer des trucs, je vais en perdre davantage. Oh merde, Doom! Qui c'est qui me récupère comme un caca? Réveille-toi. Ah bah heureusement qu'il est là, lui. D'ailleurs, ça fait longtemps que je lui ai pas donné un truc. Oui, perdu connaissance dans les mines. Chance de passer par là. Fais plus attention la prochaine fois. Oui, on essaye, mais c'est dur. Et j'ai perdu 1500 pièces d'or, déjà. C'est douloureux. Et l'inventaire? Ah bon? Ah bon? Là, il s'en est pris à ma thune. J'ai pas... Ok. Bon, bah... Prout. Je vous dis prout. Quelle heure, eux? Ouvert de 14h à... Ouais, on va... Voilà. Eh, mais attendez, j'avais réparé le pont, je suis jamais allé. Merde, je sais même pas ce qu'il y a au bout. Ok. Tout de suite, je valide. Attendez, mangeons bien, Oula, elle a des yeux zombies. L'épuisement est rigolo. Oh, la pauvre, elle est claquée, la pauvre Samantha. Merde, j'avais complètement zappé. Et vous allez voir que je vais récupérer la pierre que je souhaite pour déverrouiller les wagonnets là-dedans. Ah bah elle est pas mal celle-là. Ah mais autant elle est minée ici. Si c'est toujours fourni comme ça. Alors j'ai un malus parce que j'ai le visage bleu. Elle est malade je pense. Je pense qu'elle a... Elle a une gastroentérite. Va falloir aller voir le médecin. Malheureuse.
Ah bah oui. Oh putain, il y a une grotte. Déconne pas. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, non, ne me dis pas qu'il y a d'autres mines. On verra une autre fois, parce que ça me rend fou. C'est pas le moment, mais... je crois que j'avais une suspicion à un moment dans une rédaction dans Stardew Valley où il disait mine au pluriel. Je crois. Hein. Ne me dis pas. Il va y avoir plusieurs fois 120 sous-niveaux de. Oh non, c'est énorme. C'est juste énorme. Mais le jeu, il a pas de fin en fait. Les mystères de Stardew Valley. Ah bah tiens. Eh oui, eh oh. Les wagonnets là, ils m'intéressent. C'est eux. Je vais pouvoir me téléporter si je les décongestionne. On en veut, on en veut, on en veut. Non, ça se pète pas ça. Ça fait partie du décor. Oh la vache. Alors là, vous voyez, j'ai l'impression de refaire le jeu que m'a présenté Petit Seb hier matin. Le Unraid. Ne pas dérailler là. J'ai l'impression de regérer ma roche que je dois choper, empiler et stocker pour faire des rails ultérieurement. Ah ! Comme par hasard, encore une note secrète. Attends, je récolte des trucs de ma boule. Mais j'ai pas de bol, j'ai pas la roche rouge qu'il me faut en... Bang, bang, bang. Eh, franchement j'ai espoir, la prochaine semaine de Stardew Valley, que je ferai je pense d'ici 15 jours, 3 semaines, je trouve le rocher rouge et je déverrouille des wagonnets. Si j'ai bien compris... Ah bah tiens, on parlait de diamants, j'en ai eu deux. Ah bah elle est pas mal celle-là. Autant dire que j'ai eu un énorme coup de bol. Là, il y a un truc verdâtre, c'est à croire qu'il y a de l'émeraude. Merde, j'ai plus de place. Tant pis, je vais manger le fruit de cristal, ça libère une place. Ah, pas mal le fruit de cristal en énergie, sympa. Bon allez, je vais aller voir la guilde des aventuriers pour reprendre mon... claquer ma thune et reprendre mes... Putain, il reste à faire, hein. Waouh. Extraordinaire. Je sais pas si je peux... Alors... Non, c'est que... Non, mais je m'en fous de tes trucs. Encore que, pas tant que ça. Attaque, vitesse, chance de coup critique. Qu'est-ce qu'il y a dans Green Sky? T'as vu mon clip d'hier que j'ai fait sur le jeu de train? Je crois que oui, merci. Oui, ça me dit quelque chose. Oui, le renversant. Quand la carte se retourne, oui, j'ai dû le voir, merci. Bah, je pense que je t'ai fait une annotation. Généralement, quand je consulte un truc sur les Discord, au minimum, je fais un petit smiley de pour dire j'ai vu. J'ai bon espoir de t'avoir fait ça. Waouh. Putain, il y a du matos de fou. C'est où pour récupérer le... Non, ça c'est les objectifs de... Oh là, j'en suis loin. Oh, 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 oh. Je suis loin des objectifs à atteindre. Comment on fait pour racheter ses objets perdus? Gilles, reviens me voir quand tu auras quelque chose à me... Ouais. C'est où? Ou alors je peux plus récupérer peut-être. Ah merde. J'ai perdu. Non mais c'est leur quartier privé, je peux rien faire. Ah merde. Merde. Ce que j'avais perdu jadis, je peux plus le récupérer. Et ça veut dire qu'il a tout jeté. Oh non. Ah, je suis deg. Oh, j'ai perdu 1000 champignons, enfin non 1000 je déconne, mais beaucoup, trop, j'ai perdu trop de champignons,
Je suis dégoûté. J'aurais pas dû crever. Ah, visitons la gare, je l'ai pas fait cette semaine, il y a peut-être un truc qui m'a échappé. Ou pas. Non, il se passe rien. J'ai zéro récolte, rien du tout. Ah oui, là, il y avait un truc bizarre. Oh la vache, l'ombre qui fait peur. Non, il y avait rien. Et là, un train arrive. Tchou-tchou. Pute Samantha, quelle horreur. Ah, on va arrêter notre Stardew Valley. C'était le dernier jour de la semaine, c'était le dimanche. C'était sympa. Je suis déçu d'être mort encore dans la mine. C'est vraiment cruel, ça devient trop dur. Faut que j'ai un coup de bol et ou que j'améliore mes merdes de haut. Bon, j'ai tellement de trucs sur moi que je peux pas ramasser mes prout-prout. Attendez. Alors, les notes secrètes. Allez, pour changer. Ah, ouais, j'ai 10 de minerai d'or. Attends, voir que je fasse du... Ouais, que je fasse du lingot d'or. Vas-y, voir. Padam, 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 padam. Pem, pem. Pere, pere, pere. Da 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 di da da. Da di. Da di da di du da. Voilà. Je vais me faire de la thunasse. Non, 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 ça va pas. Je peux pas me coucher maintenant parce que j'ai l'inventaire blindé. Blindé de beaucoup de trucs et ça va pas du tout. J'ai surtout des restes de monstres. Attends, comment je gère ? Ouais, bois dur que je peux mettre là. Je vais peut-être mettre les diamants là. Le minerai, ouais. Ça, c'est reste de monstre. Ça, c'est dans le truc à végétaux. Les trucs de la terre, c'est ici. Non, c'est pas là. C'est où? C'est là, je crois. Oui, c'est ici. Ah, bah j'avais mis de l'émeraude là-bas. Je me souvenais plus que j'avais ça. Mince. Donc, il va falloir que je délocalise d'un coffre à l'autre. Attends, l'émeraude que j'ai balancé là. Peut-être le diamant aussi, parce que... Je pense pas qu'on en reverra de si tôt. C'est vraiment le coup de bol enchanteur de... De ce jour dans le jeu. Bon, le... Ouais, non, mais l'or, il va lui falloir 10 000 ans pour le faire. Donc, la bière, ça carbure, et les légumes, ça fermente. Enfin, les fruits, donc c'est bien. Bon, bah voilà. Après, je vois pas ce que je peux faire d'autre, à part regarder la téloche. Voilà, la reine des sauces. Nouvelle recette. La tarte à la citrouille. Dans ma maison, c'est une tradition de manger de la tarte à la citrouille pendant la fête de l'étoile hivernale. La saison n'est tout simplement pas terminée sans cette merveilleuse saveur que vous ne pouvez obtenir qu'avec les meilleures citrouilles fraîches. Un peu de noix de muscade, de cannelle et de clou de girofle vous emmèneront dans un pays merveilleux de pourpre et d'or. Compétence culinaire tarte à la citrouille apprise. Pourrait-on résumer? Oh la vache. C'est dingue comme la bière me rapporte plus. Alors je crache pas dans la soupe en faisant de la gelée, mais vous pouvez être certain que la mise, elle va devenir brasseuse. Hein. Parce que ça rapporte trop bien le houblon fermenté en bière. Je vais faire, à terme, je vais faire 50 containers de houblon et je vais être la brasserie de la région. La plus grande brasserie artisanale de la région. Bon allez, faut qu'on arrête, on a fait notre semaine complète, on a gagné. On a gagné. Pas les doigts dans le nez.
Merci à vous toutes et toutes d'avoir été là. Je vous dis à tout à l'heure. Je me fais une grosse pause déjeuner, là. Vraiment, je fais mon flemmard. Pardon, mais... à partir de 15h tout à l'heure, je reprendrai mon antenne et je ferai que du Lego. Ça, voilà. Ça changera des habitudes. Je vais regarder... Oh, je fais tellement vœux. Parmi les nouveaux talents que j'ai repérés ces dernières semaines sur Twitch, j'aimerais tellement pouvoir vous les mettre en lumière. Mais... est-ce que les intéressés diffusent? Non. Ah, je suis deg. Je pense que ceux que j'ai repérés diffusent qu'en semaine et pas le week-end. C'est pas de bol. C'est pas de bol. Oh, il y a Momoka qui est tout seul. On va aller dire bonjour à Momoka. On va aller voir Momoka. Oh, ça m'attriste de voir Momoka tout seul sur sa chaîne. Momoka! Momoka! Dragon Sky, tu pilotes quoi? Mitsubishi FTO GR. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pilotée, celle-là. Elle a un énorme potentiel. Elle est pas facile, la Mitsubishi FTO. C'est vrai que je la pilote rarement, mais elle est... Attendez, on peut faire la pub à... Allez, Nayone. Je sais plus avec qui faire la pub. Non, je voulais faire relais de chaîne surtout. Ah ben non, je peux pas le faire là. C'est vrai que le logiciel, il y a une histoire de droit. Il aime pas que je lui donne l'ordre de faire des relais de chaîne. Je suis obligé de reprendre le site internet. Enfin, le Twitch sur le navigateur internet. Le navigateur internet. Non, tais-toi, mon moi du passé d'il y a 2 secondes. Je veux pas m'entendre en double. Momoka. Et bon appétit, oui, merci Christella. Zubi. On va aller voir rapidement. Enfin, moi, je vais voir rapidement Momoka parce que je vais me précipiter en cuisine. Ah, j'ai une idée, tiens. D'ailleurs, j'ai viens d'avoir une idée pour ma cuisine. Oh, je vais me faire 100% plaisir. Allez, à tout à l'heure, à partir de 15h pour des Lego. Ce sera une après-midi spéciale Lego. Le direct qui casse pas des briques. J'adore dire ça. C'est débile, mais j'adore dire ça. Allez, Zubi, bon app, à tout à l'heure. Momoka! 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 Aïe! On débarque! Bonjour, Momoka! Je fais mon déchaîné tout joyeux, joyeux. C'est la folie! Merci à ceux qui regardent en VOD, en vidéo à la demande. Prenez soin de vous, bisous, à plus.